Bonsoir pour nous toutes, nous comptons rentrer la caille nous aujourd'hui, nous mardi 13 d'août 2024, il y a un journal qui rentre la caille en collaboration avec VOA Créole. Mais parmi quelques points à gagner pour nous venir développer dans le journal aujourd'hui, gagner un militant politique Myrtille Masné, en plus monde connaît sous nom arabe, qui était joint arrestation la date 12 février 2024 là, joint libération jeudi mardi 13 d'août 2024 là. Gagné un premier ministre Garry Conille qui rencontré hier lundi 12 d'août là avec une délégation qui sorti eh bien dans CARICOM. Faut que nous dit une plan qui t'est parlé par rencontre ça c'est aspect insécurité cap ravagé un pays d'Haïti. Un gros accident fait en République Dominicaine, accident ça la cause plusieurs moun sorti blessé et gen plusieurs les autres qui ont même perdu la vie dans moment que gagné une machine qui t'a porté plusieurs compatriotes haïtiens t'a frappé avec un bus, eh bien, il faut nous dit, eh bien, accident ça, la cause, plusieurs moun qui blessé. N'a fait un vuelta à l'étranger, eh bien, gagné pays États-Unis, qui lui-même offrit un porte à sortie ensemble avec le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui n'a une situation qui vraiment compliquée depuis après élection qui était organisée dans le pays Venezuela, dans la date 28 juillet est passé là. Gagné en pile manifestation et dans Kassa, pays qu'on est une situation intérêt par rapport avec la situation Teresa. Gagné un pays États-Unis qui offrit une porte sortie avec président bien vénézuélien Nicolas Maduro. Point ça yo avec plaisir les autres tab gagné pour venir développer dans journal là, mais c'est pral après pause là. Yo l'autre point encore n'a salué tout le monde qui bel et bien est connecté, n'a salué tous les amis internautes yo. Yon journal qui est arrivé possible grâce à collaboration toute équipe Salle Nouvelle là. Faut nous dit journal ça qui joigne collaboration VOA Créole. Bienvenue dans développement journal là. N'a démarré journal là avec information qui vient pour avec libération Myrtille Masné. En pile monde connaît sous nom arabe qui lui-même te joint arrestation là dans date 12 février 2024 là c'est dans ville Okaï et bien que Myrtille Masné t'a pas joint arrestation là n'a rappelé c'était une opération qui était menée de concert ensemble avec commissaire gouvernement ville Okaï là maître Ronald Richemont et puis qui était gagné et plusieurs agents au niveau de la police nationale d'Haïti yo même qui t'ai posé la patte sous Myrtille Masné. En pile moun konnen sous nom arabe et puis yon tapral transférer à Port-au-Prince n'a pas rappelé que Myrtille arabe li tapral joindre libération nan yon premier temps après évasion que groupe vivant ensemble te fait au niveau de pénitencier en après li tapral joindre arrestation et Myrtille Masné jeudi mardi 13 d'août 2024 là rivé joindre libération et faut nous dit que toute famille Myrtille Masné y compris petite li eh bien yo tout content par rapport ensemble avec décision ça qui prend en bon côté la justice pour que yo capable libérer Myrtille Masné. En pile moun connaît sous nom arabe. L'autre information dans le journal là pral mener nous un dossier politique eh bien gagné premier ministre Garry Conille qui lui-même rencontré dans date 12 août 2024 là la Kaili eh bien une délégation qui sorti dans la communauté Caraïbes là n'a parlé de CARICOM discussion yo t'est allé sous processus transition politique actuelle là problème insécurité cap ravager pays ak plusieurs autres points et eh bien yo t'est parlé par rapport ensemble avec rencontre ça qui t'est faite hier lundi 12 d'août là entre premier ministre haïtien Garry Conille ak yon délégation qui sorti au niveau de CARICOM. L'autre information dans journal là pral mener nous dans pays République Dominicaine pour nous parler de accident ça et eh bien qui rivé
jodi an, kote ke genyen yon machine ki te genyen la dan nan plizye compatriotes haïtien, eh bien machine sa li menm li tap pral kontre ansanm avèk yon bus. Et faut nous dit que gagner plusieurs moun qui yo même sorti et bien blessé, plusieurs dizaines moun sorti blessé dans cadre accident en circulation si là, et bien après accident ça, yon accident qui rivé lundi 12 d'août 2024 là en République Dominicaine, accident ça li fait et bien dans yon localité qui relé Bavaro dans province Altagracia en République Dominicaine. Après yon collision jan sodian yon bus personnel yon hôtel ak yon camion de chantier qui te gagnait plusieurs travailleurs et bien qui te la donne et bien d'après ça journal dominicain Listine Dario li rapporté victimes yo sont apparemment yo c'est des compatriotes d'après ça que journal dominicain li fait connait. N'a quitté information qui pouvait avec accident, n'a quitté pays République Dominicaine pour que nous capables aller aux États-Unis. Gagnait Washington qui lui-même proposait une porte sortie ensemble avec président vénézuélien Nicolas Maduro qui lui-même accusé comme quoi li volait élection qui t'a fait dans pays Venezuela dans date 28 juillet passé d'après ça journal The Wall Street lui-même fait connaître eh bien pression internationale là continuer à peser sous Venezuela ensemble avec président li Nicolas Maduro après que eh bien été gagné élection qui t'est faite dans pays ça élection qui t'a pral ouais que Nicolas Maduro réélu président mais gagné un camp opposition qui yo même monté au créneau pour faire connaître que yo gagné en pile preuve comme quoi c'est eux même qui remporté élection élection qui te mettait aux prises yon moun takou Nicolas Maduro qui c'est président actuel avec Edmundo Gonzalez qui te joué de bénédiction groupe opposition et opposition fait connaître que c'est Edmundo Gonzalez qui remporté élection depuis après sorti eh bien groupe opposition font dit que c'est presque chaque jour gagné une manifestation dans pays Venezuela les États-Unis qui offrit une porte de sortie ensemble avec Nicolas Maduro n'a pas rappelé depuis l'année 2020 Nicolas Maduro ensemble avec plusieurs n'a projeté eh bien yoté inculpé dans une question narco terrorisme et procureur général américain William Barr lui formellement accusé eh bien Nicolas Maduro ensemble avec proche yo comme quoi yo kon profiter eh bien de drogue qui sorti dans pays Colombie ak marché américain et par rapport ça avec inculpation Nicolas Maduro les États-Unis te mette un mandat international derrière Nicolas Maduro et les États-Unis est prêt pour que l'État capable retirer un mandat ça n'a pas rappelé que les États-Unis te même offri 15 millions de dollars avec n'importe moun qui capable faciliter yo arrêter yon moun tan kou Nicolas Maduro et les États-Unis ta même prêt pour que yo capable retirer mandat international qui derrière Nicolas Maduro si toutefois l'État décide de collaborer ensemble avec l'opposition pour le quitter eh bien et pour le quitter pouvoir s'abri sans compte dans sens ça là vraiment un avantage pour président américain Nicolas Maduro nous pas connait kounya est-ce que Nicolas Maduro pral accepter une proposition que eh bien et Washington a fait pour que li capable retirer col sous pouvoir à s'abri sans compte et les salles capable joindre une amnistie internationale c'est avec information ça que n'a mette un bout ensemble avec journal là. Nous te prenons pile plaisir pour que nous te capable porter le pour n'a invité rester sous VOA Creole pendant que rendez-vous a continuer et bien ou capable rester informé sous reste point cap dominer actualité point cap dominer actualité
Actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conille fait chita attendre hier à éminente personnalité CARICOM qui a réalisé une visite dans le pays jusqu'à 16 août cap vini là. Actualité politique là aux États-Unis, interview billionnaire Elon Musk avec ancien président Donald Trump et puis Iran rejeté appel Allemagne, la France avec la Grande-Bretagne pour dire ouais par ouais la venger assassinat leader Hamas Ismaël Haniyeh. Et puis c'est point ça yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi. Et l'autre fois encore, VOA Creole pour informer. Donc, actualité politique, électorale et même médiatique ici aux États-Unis, c'est interview ça entre billionnaire Elon Musk avec ancien président démocrate Donald Trump. Donald Trump qui critiquait l'administration Biden-Harris là pendant interview ça. Sandra Lemaire. Interview candidat présidentiel républicain Donald Trump ak milliardaire Elon Musk sou réseau X tanmen plus passé yon demi-heure en retard à cause problème technique lundi 13 août là. Musk blâmé une cyberattaque DDoS, Distributed Denial of Service, qui c'est le serveur a inondé avec trafic qui la cause y suspendre fonctionner. Cependant, accusation ça a pas de cas vérifié. Causé amical à Trump là, t'es offri candidat un espace libre pour exprimer doléances qui gagnent habitude exprimer yo, ensemble avec attaque personnelle et puis faux déclarations. Trump t'es attaqué candidat démocrate Kamala Harris, qui t'es rebaille course électorale à Jarrett après président Joe Biden, t'es décidé by vague. Monsieur déclaré départ Biden, c'était un coup d'État. Trump insistait pour dire Biden pas de by vague, mais que démocratie t'es menacée. Musk, qui était appuyé président démocrate Joe Biden en 2020, a appuyé Trump depuis tentative assassinat. Trump chantait louange Musk, peut-être était d'accord pour le révoquer employé Twitter qui t'a demandé plus bonnes conditions de travail. Musk chantait louange Trump pour attitude vaillant l'y démontrer après tentative assassinat. Musk déclaré li kwè yon administration Kamala Harris tap on tête chargée pour pays a et que li essentiel pour bien-être pays a que Trump remporte élection a. Réseau X dit gen yon affaire de 1,3 million moun qui te coûté interview a. Musk qui te Trump dirige conversation a et li pat défié déclaration monsieur Feyo. Parmi yon mensonge comme quoi prix bacon augmenté 4 ou 5 fois plus passé l'autre pays et puis que pays étranger a voyé criminel sorti en prison aux États-Unis illégalement. Étude qui fait montrer immigrants parmi eux ça qui entré aux États-Unis illégalement pas commettre autant crime que américains natifs natal. Et puis tandis que Trump a critiqué machine électrique depuis longtemps, il était décrit machine électrique Tesla yo lundi comme incroyable. Trump est devant Biden dans un pile sondage dans état yo considéré tant qu'un champ de bataille qui pourrait jouer un rôle clé dans élection 5 novembre nan. Mais kounye a la traîné derrière Harris dans quelque dans même état sa yo. Musk lancé un groupe support financier Super PAC pour appuyer campagne Trump là. Kounia est à Michigan à mener enquête sous lui pour possible violation loi état à cause information l'étape ramassée sous électeurs. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, on dit tout que l'activité électorale a déroulé ici aux États-Unis, que c'est bon côté parti républicain, que c'est bon parti démocrate là, et gros rendez-vous, c'est Convention nationale parti démocrate là, qui a fait dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, sorti 19 pour arriver 22 et VOA Creole à présent dans l'occasion. Actualité internationale là, Iran rejeté appel pays l'Occident pour suspendre avec menace représailles li contre Israël sous assassinat leader politique Hamas là Ismaël Haniyeh dans Téhéran dans fin mois. Gentil Augustin Junior gen détail. Pendant l'ap insisté sous solution diplomatique ak problème yo, Iran pap jam bay vague à cause pression, sanction ak intimidation yo. Et puis, li considéré, li gen droit pour répondre agressé yo d'après et standard international yo. C'est ça président iranien Massoud Pezeshkian dit hier lundi d'après yon communiqué agence nouvelle officielle Hirna publié après yon appel téléphone ak chancelier allemand Olaf Scholz. Yon l'autre côté,
porte-parole l'armée Israël, amiral Daniel Hagari, déclaré: nous prenons très sérieux déclaration ak remak l'ennemi nou yo. C'est peut-être ça. Nous avons une dernière limite de préparation pour attaque ak défense. Et puis, nous prenons agir d'après instruction yo nan niveau politique là. L'ité continue pour dire: nous absuivre ça qui a passé spécialement ak Iran. Ak toute capacité nou yo. Nous pas suivre pour compte nous tout. N'ap suivre ak États-Unis ak l'autre partenaire yo. Pendant ce temps, jodi mardi 13 d'août 2024 la, président russe Vladimir Poutine discute sous situation Moyen-Orient ak président palestinien Mahmoud Abbas nan Novo Ogaryovo. Président Poutine dit: notre position ici, position nous pas changé. Nous prenons depuis longtemps et puis li pas dépend des circonstances extérieures. Nous croyons que pour assurer la paix durable, fiable et stable dans la région, il est nécessaire pour appliquer toute décision des Nations Unies et puis, si tout, créer un État palestinien sans préjugés. Alors que le président palestinien Mahmoud Abbas pas de même avis. À cause d'activité États-Unis, position et pression liyo, Nations Unies échoué dans mission li pour prendre une décision pour accepter une résolution qui t'a garanti droit peuple palestinien sous propre territoire. Abbas trouvé l'en Moscou pour une visite longue cap boudé même mercredi et puis li pral voyager dans pays Tiki pour yon chita parler ak président Tayyip Erdogan. Cependant, force israélien yo continue opération lyo tout près ville Khan Younis dans site Gaza. Hier lundi 12 d'août 2024 là, nan mitan effort international la a fait pour joindre un accord pour finir ak la guerre dans Gaza et puis empêcher conflit régional ak Iran et puis allié lyo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, gentil. Guerre et la Russie-Ukraine apprend l'autre dimension côté que Konya Ukraine a attaqué sérieusement. Eh bien, c'est comme ça que sénateur américain Lindsey Graham et Richard Blumenthal fait louange pour invasion Ukraine dans la région Kursk dans la Russie lundi, hier lundi, pendant une rencontre qui a fait avec président Zelensky. Et Marie-Louise Pierre, Genetay. Sénateur a visité Zelensky dans Kiev comme un parti dans une délégation tous les deux partis congrès américain. Sénateur Lindsey Graham dit: nous ici là, tout mois ça yo, plusieurs années plus tard, peuple a souffri. Yo flexible et puis ou dans la Russie. Jam et brillant. Bien fait. Moi bien content on pas de parler nous de ça. Moi bien content ou juste fait li. Et puis prend la guerre ça mené par président la Russie Vladimir Poutine et fait lui comprendre et payer un prix, c'est ça qui est bon pour fête. Sénateur Blumenthal bon côté parle dit: we are proposing legislation. Nous a proposé législation qui relève stand by Ukraine qui modifie sécurité bilatérale là, assurer au que dit dans loi pas seulement président. Li évident, nous voulons li aller plus loin passer président ça. On va mener lutte nous pour indépendance là. Liberté peuple à travers le monde là, parmi les États-Unis, mais nous voulons peuple américain apprécier valeur alliance ça encore. Dans lundi, Pigo, commandant militaire ukrainien, te dit soldat lio contrôlé kounye la 1000 km² région Kursk dans le voisinage de la Russie. Président ukrainien Vladimir Zelensky, dans lundi, te défend l'invasion choc pays lia dans la région nord-est Kursk, la Russie. A. Président Poutine te décrit l'invasion ukrainienne comme une provocation et puis te bail l'ordre militaire pour chasser force ukrainienne yo sorti dans la Russie. Poutine te dit que l'invasion c'est une tentative pour détourner attention sous offensive Moscou dans la région Donbass, dans l'Est Ukraine, et puis éventuellement, joignent une plus bonne position en négociation pour mettre fin dans la guerre 2 ans et demi à Nessa. Invasion ukrainienne marque plus gros attaque sous terre la Russie depuis Deuxième Guerre mondiale. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Pendant que les Nations Unies lui-même levé la voix contre ça, il dit qu'a passé dans le pays Venezuela, surtout après élection contestée dans le pays, une élection qui était bail Nicolas Maduro, vainqueur dans l'élection. Nous parlons de ça, Bibri.
Au commissaire Nations Unies pour droit monde Volker Turk exprimé jeudi mardi à qu'est hôtel devant climat la Pérez caprié dans pays Venezuela à gros quantité de détention arbitraire et utilisation la force d'une façon qui pas appropriée. Ravina Shamdasani c'est porte-parole organisation mondiale là. Position a vini dans moment côté député vénézuélien yo doit examiner un paquet de loi qui violait liberté monde d'après opposition qui continue à réclamer victoire dans élection présidentielle 28 juillet. Conseil électoral national là CNEA te ratifié victoire monsieur Nicolas Maduro ak 52% voyo sans yo parent public détail bulletin ak procès-verbal yo et opposition politique la bon côté pal dit c'est lui qui remporté élection yo ak 67% voyo annonce réélection président Nicolas Maduro te provoqué en pile manifestation rapide dans pays a bilan au moins 25 moun mouri 192 blessés et gen 2400 arrestations d'après yon source officielle donde est le seigneur président Nicolas Maduro bon côté pal mandé pour l'état utiliser yon main de fer après manifestation brutale et mortelle qui fait après résultat élection. Chef opposition, bon côté pal, Maria Corina Machado, qui vive dans caché depuis plus passé une dizaine de jours, lance yon gros manifestation au niveau mondial pour 17 août Cap Vinla pour réclamer victoire opposition à Edmundo González Urrutia. Lidi Joussa, y a descend dans la rue Venezuela et dans la rue le monde entier pour crier victoire et mander le monde pour reconnaître victoire et souveraineté peuple vénézuélien. Pendant ce temps, dans l'autre développement, il y a au moins 8 personnes qui ont perdu la vie dans Pigo Bidonville, pays Venezuela, qui trouvait dans Caracas à cause d'explosion qui vivait dans Yonkai, dans Bidonville. Voilà, donc, dans le pays Venezuela, la situation a toujours été compliquée. Il y a un cours suprême qui a parlé lui-même pour prendre une décision par rapport à conflit qui a eu dans le résultat qui a Nicolas Maduro est vainqueur. Et le tribunal l'a dit, tout le pays de cours suprême, il dit que après décision, ça, il n'y a pas eu l'autre décision. Qu'après. Et il a rappelé que l'opposition lui-même n'a pas répondre avec convocation parce que, eh bien, d'après le candidat, il dit que il peut pour liberté, donc en situation que n'a pas suivi pour le pays Venezuela. Ou sous VOA à créole, ou suivi un programme en langue créole haïtienne. Et oui, vous sauvez au créole, vous suivez un programme dans l'anglais haïtien. Merci d'être que vous branchez que sur quelques plateformes qu'on capable et sur Facebook, sur Instagram et n'a bon nouvelle là, n'a bon actualité. Et puis nous prenons dans New York avec collaborateur nous Valério Saint-Louis qui lui-même était dans New York dans moment que gagné un conflit, gagné débat, gagné protestation concernant éventualité pour Michel Martelly, alias Sweet Mickey, a participé dans le carnaval Lebodea. On a rejoint Valério Saint-Louis. D'été dans New York qui ont organisé événement qu'il tirait ça qui c'est West Indian Day Parade ou bien Carnaval Caribéen qui c'est plus gros rassemblement qu'il tirait monde qui sorti dans pays Caraïbes là et qui vivent dans la cour New York. Événement ça a attiré à peu près 2 millions de monde pour participer haïtien dans carnaval là. Communauté a divisé sous participation Jazz Sweet Mickey a dans défilé a. Dès demain là nous avec le 20 bureau comité qui est responsable pour organiser carnaval là, quelques membres organisation comme Okoda, Vinre les Chalbari puis dit que pas d'accord participer suite Miki dans carnaval là à naissant encore. Présence matérielle dans communauté a son bail cap désorganiser nous, démobiliser nous. Monsieur son qui très controversé, son assassin lié jusqu'à présent un génocide dans pays d'Haïti. C'est monsieur responsable. Mon a mouri chaque jour. Pas vrai matérielle dans carnaval là. Là il fini. Madeleine est kidnappée, il kidnappée, elle a kidnappé monde, comme petit monde, comme grand monde. Il crase le pays. Je ne vais pas suivre ce qui m'a fait Madeleine. C'est Madeleine qui a mis tous les jeunes dans le pays, qui ont un job, qui ont les gangs. Son pap jam ka pou Mateli mais moi même ba kal nan peyi m da kon moun ki exilé pa gen papier m anvi ale m ba kalé son m pa kontan sa k pase la Mateli pa gen dwa vin sou pa kwa nou te fermé déjà n'ap toujours fermé mais ki so ka di fanatique Sweet Mickey yo même ki ta remen wè Diaz yo vin nan pa kwa vin nan carnaval la
Bon, moi-même, moi, c'est Ronald Desrosiers. Je pense que Matéli, c'est un élément conflictuel. Pour l'élément que Michel Matéli hier pour lui annoncer la bine sous Pacoya, vient camper pour nous dire non, Michel Matéli, ou pas qu'à venir là, nous pas qu'à venir dans la communauté pour venir, venir boloser là. Pas de place ou là, s'il vous plaît. Non seulement dans le carnaval là, nous ne sommes pas d'accord que Matéli joue balle aucun côté. Il faut que nous disions en 2019, et nous avons manifesté devant le comité carnaval dans New York là. Et ils ont fait nos promesses que non seulement Matéli ne peut pas sous Pacoya en 2019, mais Matéli ne peut pas jamais sous Pacoya encore. Qui donc nous venons là aujourd'hui pour nous jouer une clarification, pour nous remettre une lettre. Il faut que moi dise où, il y a un bruit qui a couru, que y a un membre dans le comité carnaval là, qui a pris l'argent en bas de table dans même Matéli. Hier, nous parlions avec eux dans le téléphone. Ils ont dit nous, il y a ouvert depuis 10 heures du matin, jeudi. Et voilà, nous, là, jeudi, ils ont marron. Ils ont fait lâche, bureau, ils ont fermé. Qui donc, nous voulons qu'on ait Naptouné. Nous avons essayé de rentrer en contact avec le même comité carnaval là, qui est responsable d'organiser le carnaval caribéen. Ils n'ont pas répondu dans le téléphone. Et puis, la sécurité de la building a dit qu'ils ont fait nous connaître que jeudi, ils ont fait même. Nous avons précisé tout que selon l'information que nous joignons, jusqu'à présent, c'est groupe Tiancito, Walk Farm, Barricade Crew avec Cool Mix Madada qui ont même officiellement autorisé participer dans le carnaval là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valério. Donc Valério a suivi pour nous de très près dossier ça qui qui provoquait en pile débat et en pile côté que Michel Martelly a la suite mi qui a joué et ben toujours gain débat, il était joué dans Boston, était gain débat, il saute jouer là dans Floride même bagarre. Donc n'a suivi pour n'a pas entré dans Port-au-Prince et ben côté que Premier ministre Gary Conille lui-même était fait chit entendre hier avec éminente personnalité CARICOM yo et ben yo même qu'a réalisé une visite dans pays d'Haïti jusqu'à 16 août, Cap Vinela, Yves Manuel gen détail. Premier ministre Gary Conille chita parlé avec éminente personnalité CARICOM yo ayer lundi dans la résidence officielle li nan Musso nan objectif pour capable mettre accent sur processus transition. Chita parlé ça inscrit dans cadre nouveau mandat éminente personnalité yo qui visait veiller avec conseil présidentiel transition à application accord 3 avril 2024 là divers partis tessien. Démarche l'an prévoit tout assurer suivi processus électoral qui a dû aboutir à organisation élection dans l'année 2025 dans le pays d'Haïti. Pendant la discussion, la transition politique qui est en courant est abordée dans l'idée pour joindre une vision globale situation crise sociopolitique actuelle pendant qu'il a fait de nouvelles propositions qui capable aboutir à certains résultats concrets. Dans le finissement échange, proposition pour observer prochaine élection yo t'es bien accueilli bon côté premier ministre Gary Conille et deux partis yo promettent pour travailler main en main pour conduire pays vers fin crise là et organisation prochaine élection yo. Pendant mois juillet 2024 là n'a rappelé conseil présidentiel transition t'es lancé processus qui doit conduire à désignation délégué des différents secteurs dans conseil électoral provisoire. À travers accord politique pour une transition pacifique ordonnée, organisation politique yo signé 3 avril 2024 là dans l'idée pour joindre une solution à crise politique là, CPTA te bay tête l'émission pour mettre en place un nouveau conseil électoral provisoire dans l'idée pour organiser élection générale pour bay pays élu qui légitime cap entrer en fonction 7 février 2026. Élection sa yo qui te doué organisé en de pays pour renouveler personnel politique pas arrivé organisé en de pays depuis l'année 2016. Pays qui plongé dans une crise sans pareil en bas puissance gang améo qui occupait 80% dans zone métropolitaine capitale Port-au-Prince là besoin bon gens action dans l'idée pour capable retirer tout bon vrai dans situation malouk ça li trouvel depuis quelque temps. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Alors, j'ai un conseil et présidentiel transition qui est même bâti tête jusqu'à 31 août 2024 là, pour le mettre campé conseil électoral provisoire. En suivant un reportage, Renan Toussaint, depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Malgré difficultés qui enregistrées par rapport à différents secteurs qui, pour qu'on mette d'accord
sous désignation représentant respectif yo dans conseil électoral provisoire yon membre conseil présidentiel transition Frinel Joseph responsable chantier causé élection yo fait qu'on est reste mois août 2024 ça décisif pour formation institution électorale là cap gain pour mission organiser référendum nan relatif à révision constitution 29 mars 1987 là qui doit mener Haïti dans élection générale yo pour renouveler personnel politique là et remettre en place institution démocratique yo. Maître Jonas Revenge qui est président parti politique démocrate visionnaire pour nouvelle Haïti DVNH saluer démarche ça mais li souhaiter autorité yo modifier loi qui régit fonctionnement parti politique yo avant prochaine élection yo. Nous pas capable jodi a pral mettre confusion encore mettre diviser population dans une élection avec une multiplicité de partis politiques pendant que bagala doit régler à partir de tendance et c'est le bon moment côté que nous n'en kawa pour que nous penser remanier loi sur les partis politiques que qui pas de résoudre problème nan question tendance nan li pas résoudre donc c'est bon moment pour nan moment nou là nous font passer main dans loi sur parti politique là ça va permettre que nous venons organiser élection nous faciliter choix population. Cependant gen l'autre groupe politique parmi yo parti politique solution que Fito Lafleur a dirigé qui dit élection pas possible en Haïti tout autant problème insécurité a pas résoudre. Première chose à faire, c'est garder comment pour le bail peuple sécurité. Et deuxième chose à faire, c'est garder comment pour le bail peuple on mieux être pour manger un bagage parce que moun ou ya tap mouri grand goût dans pays a. Et troisième chose à faire, c'est à préparer une élection qui selon désir ta peuple. C'est pas ça international la vle, c'est pas ça ou gagner comme agenda pour faire un bagay peuple les sont capable moun pays. En tout cas, accord 3 avril 2024 l'an prévoit yon président kap soti nan élection yo dwe pran maet la nan main conseiller présidentiel yo. N'ap suiv Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et fann di sou question élection gen plusieurs personnalités qui gen réaction dépamment sous démarche kap fait pour qui pour aboutir à organisation élection nan pays a nou gen sou place nan Port-au-Prince correspondant nous Massado Velmé. Machu a fait pour mettre campé conseil électoral provisoire yon défenseur droit moun nan peyi a mettre des tournel benisoa qui c'est tout président agi pour Haïti di élection pas possible pour date yo prévoir défenseur droit moun nan a expliquer raison ou soulever conférence nationale nous sommes en prend calendrier là actuellement là nous en août OK nous en août 2024 parce que élection gen pour fait en 2025 pour qu'on gagne qui va être en place conférence nationale là beaucoup elle les préparatifs pour faire une conférence nationale déjà CPA a décrié il décrié parce que il y a chirépite entre différents organismes notamment les droits humains chirépite au niveau de politique et chirépite au niveau de personnalités qui sont indexées dans le domaine de corruption que ces autorités ça yo yo pral gen pour faire élection gen moun qui dit que autorité ça yo qui indexé dans élection dans corruption yo pas faire élection déjà élection beaucoup même fait déjà contesté ancien sénateur Patrice Dumont bon côté parle quoi élection doit organiser dans pays hein, pour renouveler personnel politique là à remettre campé institution démocratique yo mais il dit doit gagner une enquête approfondie qui fait sous question qui gagne rapport à quatre démalogues là. Question quatre démalogues là, il était gagné deux problèmes majeurs là-dedans. Premièrement, travail qui était gagné pour être fait là avec premier quatre là, c'était un travail pour qui t'a coûté à peu près 3 millions de dollars, 2 millions 3 millions de dollars. Contrat démalogue là vient coûter 24 millions de dollars. Et pas qu'il y a aucun monde, si on doit que bon travail, 3 millions capable de faire, et puis même travail là, il faut dépenser 24 millions, son problème sérieux. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, là, c'était que Madame Moïse, donc l'épouse du chef de l'État, était impliquée directement avec un paquet de mensonges
que directeur à l'époque de Onian Tebaye, il était avec madame non, non pas avec lui, etc. Madame au président, c'est pas un employé de l'État. Madame au président, c'est madame président. Donc, pas gagner aucune partie dans la constitution pays, dans la loi pays, côté madame président, à titre de madame président, gain droit entrer dans la négociation l'argent l'État, dans le contrat l'État a signé. Donc, les pattes ont été bagaille petit lorsque madame Nan lui-même l'a discuté de contrat avec affaire Dermalog. Cependant, en pile zone dans la région métropolitaine qui s'est bastion élection dans le pays en bas contrôle groupe civil armé. Parmi zone Silayon, nous sommes capables de citer comme une cité soleil qui presque pas existé encore par rapport à Bandi dans le plus gros bidonville pays qui passe ce contrôle qui est connu depuis plusieurs années. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Et puis, quand nous prenons dans le département sud, puis précisément dans la ville Okaï, côté que l'insécurité a lui-même la paix fait rage, et même gens avec plusieurs côtés dans le pays, nous rejoignons Jean-Ernst Eliscar. Commençant dans la ville Okaï, il y a une grosse difficulté pour fonctionner à cause du phénomène d'insécurité qui a augmenté chaque jour dans la troisième ville pays. Commençant, c'est un secteur qui va suspendre victime en bas main à tout fait. Laissez pas dans la rue. C'est dans le magasin, les bandits al braqué, tiré et prend tout l'argent joint. Commerçant François Jean-Luc et tout travail, Paul, c'est nos deux victimes qui te recevoir balle en bas main, nèg exam qui te sous motocyclette. Bandi yo te rentré dans le business commerçant, tiré et pour te aller tout l'argent te joint sous passage. Yozak qui révolté commerçant Bertrand Banat qui mandé autorité yo pour prendre responsabilité yo. M'a dit à tout commerçant yo. Nous connaît te gagné plus que 4000 prisonniers qui t'est pas quitté pénitencier national. C'est gon bon parti pour département sud là. Yo retourné. Mettez la main forte avec autorité, baillez la pression essentielle là. Pour que vous mettez les gens en bas code, parce que vous n'avez pas venu chita là, non? Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui a venu faire là pour vous venir finir avec nous. Nous avons l'État qui a fini avec nous. Nous n'avons pas qu'à continuer dans le commerce là. Et pour quoi bon, pour nous quitter, M. Sayo, pour un pied, et puis c'est l'amour après pour nous-mêmes. Commerçant Bertrand Banat, pas mettre l'eau dans la bouche pour critiquer quelqu'un dans la population qui pas fait solidarité avec les victimes. Je demande le seul moyen pour nous surmonter la difficulté, c'est la solidarité pour nous retourner bien encore. Parce que matin, il y a plus de 50 personnes qui ont regardé l'action qui a passé. Et ils ont été simplement à déplorer Zach là. Ce n'est pas eux-mêmes. M'a dit chaque loi c'est pas au même des maisons Dieu veut la vienne sous. Dit les temps pour nous solidariser pour que sac ça yo pas continuer répéter dans ville locale. Toujours dans sac concerné, affaires insécurité, bandi yo qui bloqué zone sud entrée capitale haïtienne, la cause yon a été produit première nécessité sous marché à dernier jour ça yo. Une situation qui baille gros qu'est cassé ak citoyen yo k'ap mande autorité yo pour qui nan pouvoir central là pour débloquer entre sud capitale là une façon pour machine capable circuler libre. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole.